Donc le magasin il est étroit, donc on ne peut pas mettre... Non, et je suis en location ici, c'est ah pas vous? À moi. Ah, c'est pas vous de mettre en normes. Voilà. Du coup vous avez un propriétaire et c'est à lui de voir, c'est ça? Non. D'accord, et il y a déjà des... En plus de la rampe qui est mise à l'entrée, est-ce qu'il y a déjà des manœuvres de mise en normes qui ont été prises? Non. D'accord, et vous comptez en faire? Je ne sais pas, je dois voir ça avec le propriétaire, là on n'a pas encore décidé quoi que ce soit de tout ça. D'accord. Et au niveau de la clientèle, est-ce qu'il y a souvent des personnes à mobilité réduite, ou enceintes, ou même des personnes âgées qui viennent? Rare. Les personnes âgées, j'ai, mais elles sont très actives. Elles s'en sortent, oui, elles y arrivent. Là, et puis, non, je reçois de temps en temps une ou deux personnes à mobilité réduite, mais bon, pas spécialement tous les jours. Quoi. D'accord, je vois. Ok, bah merci. Merci. Alors, Clémentine et Willy, qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Nous avons visité plein de magasins. Et généralement, ils étaient accessibles? Oui, ils étaient accessibles, généralement. Tous. Donc à Savigny, c'est très bien, en fait. Et les rues? Bah, les rues, non. Franchement, c'était la galère, hein. On a beaucoup galéré avec toi et Clémentine, parce que les rues, elles partent sur le côté, et puis il y a plein d'odanes et tout ça. C'est très embêtant. D'accord, merci pour ce témoignage. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des prises de normes pour les personnes en mobilité réduite? Non, c'est la première fois. D'accord, et vous comptez en faire d'autres? Bien sûr. Et vous avez souvent des clients... On a quelques clients en chaise roulante, oui. D'accord, ou même avec des poussettes ou des femmes enceintes? Avec des poussettes, oui, femmes enceintes. Et ils se débrouillent? On les aide, on ouvre la porte, on les referme la porte derrière eux, on les accompagne. Hein. D'accord. On est humains, quoi. C'est ça. C'est simplement. Bon bah merci alors. Mais je vous en prie. C'est parti! Circulation difficile dans les trottoirs de la ville. Raphaël, vos impressions sur cette journée? C'est bien. Mon chocolat, au calme. Voilà. C'est bien? T'as pas mieux? Regardez, il est assis, c'est moi qui porte en fait depuis tout à l'heure. Et c'est lui avec. Pépère depuis ce matin. Avancez vers la lumière!
Bon alors les filles, on a fait quoi aujourd'hui? Alors on sort de la journée Jacques Ted. Et donc on a répertorié des magasins. Et, ça sert à quoi là ce que vous avez fait? Alors comme ça les personnes à mobilité réduite qui voudront aller dans des magasins pourront aller sur le site, regarder les sites que nous avons répertoriés. Et s'ils ont une bonne note, ils sauront qu'ils peuvent accéder à ces magasins. Et vous pensez que c'est une bonne chose ou ça sert à rien? Non, je pense que c'est une bonne chose parce que par exemple on sait qu'il y a un gars en fauteuil au lycée, donc on sait que peut-être que lui il ira voir sur le site et il se dira ah c'est bien, je suis content que des gens aient répertorié ces magasins, ah là là. Et donc du coup vous quand vous allez rentrer là chez vous, vous allez dire à vos amis ouais j'ai fait ça, allez voir. Ouais, je vais aller voir mes parents et je vais leur dire papa, maman, j'accède.